Mathieu, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça y est, vous êtes vieux. Pas nouvelle. On avait des indices. Hein, vous comprenez pas la moitié des mots qu'utilise Manon dans ses chroniques. Vous êtes plus poivre. Hein, vous n'êtes que sel. Je ne parle pas d'assaisonnement, mais bien de capillarité à tendance vétuste et surtout bon. Il y a une odeur. Si, bah, si, dans les couloirs, dans le studio, les auditeurs et les auditrices, ils peuvent pas sentir. Mais je vous le dis, ça sent la fleur de loose. Voilà. Ça sent le doux parfum de la défaite. Pardon. Hein. Un animateur jeune. Il n'est pas sur France Inter, hein, il est sur Énergie et il fait gagner son point en loyer si tu devines qui chante la chanson qui arrive. Ne cherchez pas qui chante la chanson, Mathieu, vous ne connaissez pas ces personnes, vous n'écoutez pas cette musique. Non. Pardon, mais un animateur jeune, il passe pas sa matinée avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. Ils sont sympas, c'est pas la question, mais enfin, à mon avis, Nick la Demorand, et c'est pas sûr qu'il passe des lip-syncs de Jules, Léa Salamé, elle snappe pas, vous non plus d'ailleurs. D'ailleurs, je suis sûre que votre mot de passe pour déverrouiller votre portable, c'est votre date de naissance. Non. Ouais, si, c'est sûr, mec. C'est sûr. Bon, un animateur jeune, il donne pas un titre à son émission en référence aux paroles d'un single de rap qui est sorti en 98. C'est vrai. Non, mais un single, les Gen Z, ils savent pas ce que c'est qu'un single, vous savez, vous ? Bah oui, je peux pas vous mettre une disquette. Tout le monde se rappelle de ça. Là. Le mini disque. Non mais je veux vous dire. Attends. Non mais je veux dire, si vous aviez été la Gen Z de votre émission, elle se serait appelée blablabla Pookie. Mais la Zouzou. Un jeu de mots qui mêle rap des années 90 et détente, ça va beaucoup trop loin. Pourquoi pas yo-yo yoga, je danse le miaditation ou encore la tribu de da naturopathie. Pardon. Mais vous êtes dépassé, mon pauvre ami. Bon après c'est pas grave du tout, Mathieu. Mais vous êtes vieux, voilà, c'est comme ça. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'on a que 4 ans d'écart, quoi. C'est ça. Du coup, je peux pas trop dire trop fort que vous êtes vieux, parce que bon, en vrai, je pense qu'ils ont adapté au public, voilà. Non, mais quand ils vous ont engagé, voilà, ils se sont dit, voilà, c'est comme ça, on s'adapte, quoi. On va pas se mentir. Si t'écoutes France Inter à 16h50, c'est que, voilà, c'est quand même, tu fais tes courses à Auchan à 10h45. C'est que tu dis à la coiffeuse, ah bah ce violet léger, là, il est très bien. Hein. Non, mais, c'est que toi, ta retraite, t'as plus trop besoin de te battre pour l'avoir, hein. T'es en plein dedans. Hein. Après, je vous critique, mais en vrai, je suis triste pour elle, hein, la Gen Z. Là, tout ce qu'ils ont loupé, ils connaissent pas les Poetic Lovers. C'est dur. C'est dommage. Première fois qu'il y a les Poetic Lovers sur France Inter, je pense. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais la chanteuse, ils sauront jamais ce que c'est que ce générique. Ah, passion. Alors que c'est Dawson, c'est magnifique. La Gen Z, quand on leur demande où t'étais, ils répondent pas automatiquement. Invité par des potes à une teufée, on s'amusait bien, j'ai pas vu l'heure, qui l'était. Ah ouais ? C'est vrai. Je te connais par cœur. J'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions. Dis-moi plutôt à quoi tu m'éliques. Ils connaissent pas. Bon, cela dit, ça en fait probablement un point commun avec les auditeurs. Vous connaissez, vous, quand même, Mathieu ? Oui, je connais, j'ai entendu. Bah, ça me rassure. Vous savez quoi, Mathieu ? Pour la Gen Z, vous êtes peut-être un vieux schnock. Enfin, je sais pas comment ils disent. Hein. Ils disent un vieux, peut-être. Mais comme moi aussi, bah, ça me fait du bien qu'on vieillisse ensemble. Allez, viens, Mathieu, on va se faire un petit confession nocturne. Je fais Diams, tu fais Vita. Et Quentin, il fera le mec en calbute qui fait le mec qui va briser mon ami. Oh ! Merci, mon vieux. Et sans rancune. Moi, ça m'a donné envie de réécouter Mano. Ah, oh, mais oui ! La tribu de Dana. Dana. On l'écoute. Non, je déconne. Bravo, Marine Maousson. Merci beaucoup. Merci, Marine.